Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire juridique cyberdroit. Donc Julien, l'animateur d'aujourd'hui, nous a modifié un peu le titre et il en a bien raison parce qu'il a pas mal de choses à vous proposer. Donc avec des petites subtilités qui sont très intéressantes, vous verrez. Donc ce webinaire a pour objectif de vous présenter les phases connu de la cybersécurité et du juridique, et spécialement le RGPD, comme vous pouvez vous y attendre, donc un état de l'art hein, vraiment sur la lutte cyberdroit contre la cybercriminalité et cyberdroit. Donc l'objectif, présenter l'état actuel des connaissances d'encadrement des actions liées à la cyber, toute personne intéressée. Nous allons être sur un modèle de présentation, hein, Julien va nous présenter ce webinaire, et on finira avec 15 minutes de questions-réponses, où je ferai office d'animateur et Julien de présentateur interviewé. Très bon webinaire à tous et à tout à l'heure. C'est parti Julien, je te laisse la main. D'accord, je te remercie Jérôme. Donc comme Jérôme l'indiquait, donc bonjour à tous. Effectivement, une présentation alors sur des grandes généralités hein, sur un état de l'art du cyberdroit et des connaissances actuelles du cyberdroit liées bien sûr à l'utilisation, vous vous en doutez bien, de tout l'espace cyber. Et donc l'espace cyber ne s'arrête pas forcément à la France et ne s'arrête pas aux frontières en tout cas réelles et creusées par les montagnes. Pour délimiter l'espace, ça va aussi bien au-delà, ça va aussi des interactions qu'on peut avoir avec les autres pays. On en a tous les jours, hein, à travers le cloud, à travers des applications qu'on utilise, même avec les gens avec lesquels on peut être amené à travailler. Donc bien entendu, là sur une heure, on n'a pas la possibilité de tout voir, on va voir des grandes lignes, on va voir des choses un peu plus spécifiques. Je pense que Jérôme reviendra peut-être sur une présentation de l'ESD Academy ensuite à la fin. Pour représenter ces choses-là, donc je vais pas forcément prendre plus de temps sur la présentation de SD Academy. Juste pour me présenter rapidement, donc je suis président d'iCatalyst, une boîte dans les Hauts-de-France où on fait de la cybersécurité, de la mise en conformité RGPD. On accompagne les structures, les PME, TPE dans l'accompagnement pentest et dans la formation des salariés. Et on est plus vraiment porté entreprise que particulier. On est aussi membre du réseau cybermalveillance.gouv.fr qui nous permet du coup de répondre à des incidents liés à des problèmes liés à des particuliers ou des entreprises. Au niveau de mes certifs, alors juste pour indiquer, hein, c'est vraiment, je suis certifié donc lead implémenteur 27001, risk manager 27001, CDPO, donc tout ça chez PECB, hein, CDPO c'est Certified Data Protection Officer, l'ISO aussi 27701 qui est l'extension de la 27001 sur la gouvernance des données. Pour ceux qui connaîtraient un petit peu, on est sur le module RGPD mais plaqué à la norme ISO, et membre du club EBIOS tout comme Jérôme et d'autres à l'ESD Academy pour essayer d'améliorer ou plutôt de réduire les risques et d'améliorer la prise en compte de l'état de la menace en France et dans les entreprises. Voilà, rapidement, je lui laisserai rebasculer aussi sur le folding at home où vous avez la possibilité d'aider la recherche du Covid. La recherche continue encore maintenant, hein, c'est pas parce qu'on est déconfiné qu'il faut relâcher l'effort. Je laisserai revenir là-dessus. Je reviens du coup de ce qui vous intéresse plus précisément. Ce qui nous intéressera aujourd'hui, c'est en grande partie le juridique dans le numérique qui va constituer ma première partie. Je détaille pas tout de suite les sous-titres, les sous-tâches. On a le juridique dans la cybersécurité qui va, à mon sens, en intéresser plus d'un, où on va voir les obligations de sécurité et est-ce qu'un dans une entreprise, quelle est ma responsabilité en tant que pentester, quelle est ma responsabilité en tant que chef d'entreprise d'une boîte de sécu, quelle est la responsabilité peut-être des acteurs traditionnels, tous ceux qui gravitent autour de moi, on parle des parties prenantes hein, plus généralement, et bien sûr comment lutter contre cette cybercriminalité, où on verra qu'il y a certaines instances
qui peuvent nous aider, qui peuvent nous accompagner dans tout ça. Bien entendu, je tiens à le préciser encore une fois, il a fallu faire des choix pour ce webinaire on n'a pas recherché l'exhaustivité, puisque bien entendu, on en est capable, mais on n'est pas sur 1 heure. On a plutôt essayé de vous présenter un panel assez large de ce qu'on est capable de faire, bien plus quand on a un temps un peu plus long. Et si, bien sûr, certains étaient intéressés, n'hésitez pas à revenir vers Jérôme pour le partage le partage des informations. Et enfin, on finira par le RGPD, qui est une des obligations, une des nouvelles réglementations, enfin, nouvelle depuis 2 ans, légalement depuis 4 ans. Et donc, je ferai une grosse passe aussi là-dessus, s'il nous reste du temps. À mon sens, les deux premiers thèmes sont hyper importants, puisque assez novateurs, et on entend peu parler finalement du juridique dans le numérique ou dans la cybersécu. On entend beaucoup de métiers, mais on n'entend pas beaucoup des obligations et de l'état de l'art actuel là-dedans. Et donc, c'était important, à mon sens, de basculer aussi là-dessus. Voilà pour ce sommaire. J'espère que ça correspond en tout cas aux attentes que vous faisiez de ce type de webinaire. Donc, on commence par le juridique dans le numérique, où on va essayer de définir finalement l'œuvre numérique, à quoi elle correspond. Donc, si on regarde juste une double définition du Larousse, c'est une production de l'esprit, du talent. Ça peut être écrit, un tableau, un morceau de musique, une suite de chiffres. Une suite de chiffres, on l'aura compris, c'est numérique, puisque ça fait partie de tout ce qui est digital, une suite de nombres finalement. Et donc, ou un ensemble de productions d'un écrivain ou d'un artiste, les œuvres de Bach, mais ça peut aussi être une œuvre d'art, une thèse sur l'œuvre de Rimbaud. Ça peut aussi être une œuvre numérique sur l'architecture, finalement, que vous faites de votre SI, l'architecture que vous souhaitez mettre à l'intérieur d'un programme, d'un logiciel ou d'une mise en place d'un SMSI. On peut considérer ça au niveau juridique comme une œuvre. Et donc, œuvre numérique, c'est bien sûr, on a digitalisé cette œuvre, et donc qui est représentée, alors on est juste dans la dé définition pure et brute, hein, représentée par un nombre, et se fait avec des nombres. Considérant de toute façon, dans les différentes cours d'appel qu'ont pu être faites, l'informatique est une branche des mathématiques. Les mathématiques sont représentées par des nombres, donc l'informatique et donc le numérique sont représentés sont considérés comme du coup du digital, du numérique, et qui peut être inclus dans tout ce qui est juridiction numérique. Donne quelques exemples, du coup, oui, base de données, des différents réseaux et typologies de réseaux, des vidéos que vous pourriez créer et communiquer sur ces vidéos-là, quand vous y mettez de la musique, quand vous y mettez du coup des images, tout ça crée finalement une production, une œuvre numérique, des sons, des architectures de votre SI, des méthodes de pentest ou même des logiciels que vous auriez vous-même utilisé et que vous auriez vous-même déployé et mis à distribution ou mis à contribution. Ça, on le reverra peut-être sur d'autres moments dans la présentation. Et surtout, je vous encourage à noter les questions que vous pourriez avoir, parce que quand on parle de juridique, c'est en général, on a beaucoup de questions et on réclame de la précision. N'hésitez pas en fin de présentation, du coup, de m'interpeller sur certaines notions qui demanderaient peut-être à être expliquées un peu plus. La titularité des droits de l'œuvre numérique, alors bien sûr j'avance vite, hein, mais on a bien dans le droit, on parle de personne physique en qualité d'auteur, donc la qualité d'auteur appartient à celui sous le nom duquel l'œuvre est divulguée. Donc on présente la titularité des droits d'auteur à la personne qui a divulgué ou diffusé cette œuvre-là. Et bien entendu, on a toujours la possibilité de porter plainte. Si on se rendait compte que on avait réexploité sans l'accord de l'auteur réel les informations, mais en tout cas, on parle de qualité d'auteur à celui qui divulgue l'information. Et bien entendu, enfin bien entendu, en tout cas, il faut le savoir, que d'après donc un arrêt qui a été rendu le 15 janvier 2015, une personne morale ne peut pas avoir la qualité d'auteur. Et du coup, ça amène beaucoup de questions de oui, mais que se passe-t-il si moi je crée quelque chose pour ma boîte? Que se passe-t-il si je crée de la valeur pour ma boîte? Est-ce que ça m'appartient en qualité d'auteur? Est-ce que ça appartient à l'entreprise, au responsable de l'entreprise, puisque ça ne peut pas être à l'entreprise elle-même? Alors, on verra qu'il y a encore une fois, je prends énormément de pincettes parce qu'il y a des spécificités qu'on ne verra pas forcément là aujourd'hui. Voilà. Un auteur employé.
Par exemple, quelqu'un qui, comment dire, enfin, qui travaille pour le compte d'une entreprise, donc le code de la propriété intellectuelle qu'on reverra souvent dans ce webinaire, le CPI, rappelle que les droits patrimoniaux sont dévolus à l'employeur qui est le seul habilité à les exercer, sauf exception. C'est-à-dire que tout ce que vous créez dans le cadre de votre, dans le cadre de l'entreprise en tant que salarié revient finalement à l'employeur qui a certes des responsabilités, a des droits, des obligations, mais du coup se retrouve propriétaire de ses droits. Bien entendu, on a toujours la possibilité de mettre dans des contrats, de mettre dans des ou des avenants au contrat, enfin, des modifications du contrat qui permettraient du coup de repartir ou de jouir des droits, non pas de propriété, mais d'exploitation, pour pouvoir réutiliser ce qu'on a créé dans l'entreprise. Il faut savoir et ne pas oublier que de toute façon, pourquoi la loi est si limpide, au moins là-dessus, parce qu'elle n'est pas limpide tout le temps, mais c'est qu'en fait, vous êtes rémunéré pour effectuer cette tâche, et donc il est normal que, contre rémunération, il y ait un travail, et ce travail, en fait, reste le patrimoine de l'employeur qui en est lui responsable, puisque ça ne peut pas être la personne morale, donc l'entreprise. Alors là, je reviendrai à la fin de cette slide sur la petite image, hein, Alone in the Dark, pour les plus anciens d'entre vous qui ont pu connaître cette version du jeu, et vous comprendrez pourquoi j'ai pris cette image-là et pas une image un peu plus récente. On peut parler de contributions multiples ici, où il y a, par exemple, vous êtes à plusieurs sur un projet, et donc pour créer un jeu, par exemple un jeu vidéo, pour créer une œuvre, et bien là, on parlera d'œuvre. On a trois possibilités. On a trois œuvres de collaboration, plusieurs personnes physiques sans rapport de hiérarchie entre elles. Et donc, il y a bien une indivision entre tous les auteurs. Et donc, il y a une propriété commune des co-auteurs. Si vous êtes cinq à créer cette œuvre de collaboration sans rapport hiérarchique entre vous, vous êtes alors co-auteur et donc copropriétaire de ce qui a été produit. On a la possibilité, j'avance, une œuvre collective, initiative d'une personne physique ou morale, où la contribution de chacun ne peut être découpé. C'est le cadre, c'est justement ce qui se passe dans le cadre d'une entreprise. On a une personne commanditaire, un manager, un chef ou une entreprise qui vous demande, à vous, un groupe de personnes, de créer une œuvre, de créer un programme, un logiciel, de créer quelque chose. Et bien là, c'est une œuvre collective. Malgré tout, on est sur la personne physique ou morale qui récupère, pour le coup, la titularité des droits. Et on a une œuvre complexe où c'est assez compliqué de définir, et voilà pourquoi l'exemple de Alone in the Dark, à l'époque, Infogrames, qui est devenu Atari, hein, je ne sais plus si ça a été racheté, enfin oui, si ça a été fusionné ou perdu et on a racheté la marque, mais au final, il y avait un programmeur qui lui estimait, comment dire, qui exigeait la propriété des droits, puisqu'il était le programmeur, il a été programmeur et ensuite chef de projet digital sur ce jeu-là. Et du coup, quand il a été vendu, exploité, ce programmeur-là qui était en bisbille, on va dire, avec Atari pour pas dire autre chose, enfin avec Infogrames, a estimé que les droits d'auteur lui revenaient. Atari, Infogrames, du coup, a dit non, puisque nous sommes entreprise, et donc ça nous revient de droit. Finalement, la cour a cassé et a coupé enfin, pas la poire en deux, mais en tout cas a indiqué que eux, le programmeur ne pouvait pas estimer qu'il était le seul auteur de l'œuvre, puisque de toute façon, il était et auteur et ensuite chef de projet, mais donc chef de projet revenait à personne commanditaire, mais qui avait une notion de hiérarchie. En revanche, Infogrames ne pouvait pas non plus exiger être les seuls à avoir les propriétés sur le projet. Pourquoi? Parce que dans les rapports de réunion, il n'avait jamais été édité, jamais été écrit que Infogrames faisait office de personne commanditaire. Donc vous voyez à quel point ça peut parfois jouer sur les mots, parfois c'est compliqué. Et donc il a été nécessaire à ce moment-là de refaire un partage, une redécoupe des droits sur chacune des parties du jeu. J'avance. Ça, c'était un exemple, hein, bien entendu. Comment accéder aux œuvres protégées? Donc, on a la possibilité, alors c'est un exemple qui nous rapprochera un peu plus, on va s'éloigner du jeu vidéo et on va se rapprocher finalement des liens hypertextes qu'on peut trouver par-ci, par-là. Et des liens hypertextes dans lesquels enfin, qu'on peut mettre et qu'on peut utiliser. Alors, on parle d'hyperlien ou hypertexte, hein, là, encore une fois, c'est du juridique. Et donc, on se pose la question, est-ce que citer un article en plaçant un lien sur sa propre page web est accepté juridiquement?
Et ben, du coup, on va parler d'actes de représentation. Il y a eu la Cour de cassation qui a statué le 31-10-2012 là-dessus, où on va considérer que si vous indiquez bien que la source se trouve dans le lien hypertexte que vous donnez, vous allez envoyer l'internaute vers cette page-là, et du coup, on considère que vous avez le droit d'utiliser, et c'est un acte de représentation, où vous dites « ce n'est pas moi qui le stocke sur mon serveur, il ne m'appartient pas, je vous renvoie vers cette... Vers cet hypertexte où vous trouverez les sources. » Et donc, il y a eu des problèmes par rapport à ça avec W9 et M6, où ils considéraient qu'effectivement, il y avait des problèmes parce qu'une personne avait listé tous les programmes qu'on pouvait trouver sur W9 ou M6 et inversement, et où les ayants droit donc, du groupe M6 ont voulu porter plainte contre cet ayant droit-là, enfin, pas contre l'ayant droit, mais contre la personne qui avait listé. Et en fait, la Cour de cassation a cassé en disant « mais de toute façon, il ne fait que lister là où on peut trouver les bons programmes. » Et du coup, renvoyer un raccourci finalement vers ces vidéos-là. Voilà, ça c'est un peu d'historique. On a la responsabilité sur le créateur de l'hyperlien en cas de violation si cet hyperlien renvoie finalement à des choses qui ne sont pas explicites dans le lien qui est présenté. On va dire que vous indiquez, bah, vous pourrez trouver toutes les informations sur ce lien hypertexte, et en fait ça renvoie à des sous-domaines ou à des autres sous-domaines qui normalement n'étaient pas prévus à l'origine. Et on retrouve ce cas de violation dans le RGPD quand on indique que moi je collecte les informations pour un but bien précis et que j'utilise ces informations dans un autre but, alors que je n'ai pas eu l'autorisation de la part de la personne à qui j'ai piqué les informations. Bon, on y reviendra un peu plus tard. Je sais que ça peut paraître un peu dur de décoffrage juste à 13h, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. On a croisé, en tout cas, vous pouvez aussi croiser, en atteinte aux œuvres protégées, une responsabilité civile en cas de framing, inline linking, de piggybacking. On a une responsabilité engagée. Alors, qu'est-ce que le inline linking? En fait, c'est quand vous mettez... vous utilisez, alors là je veux juste vous faire la démonstration, mais en fait j'utilise l'image, mais j'aurais très bien pu mettre une URL et du coup que l'URL affiche l'image, où j'ai pris l'image que j'ai exploitée d'un autre site en faisant juste une recherche sur un site web, et qui me permet du coup de reposter cette image-là. Ben, en fait, je n'en demande pas l'accord à la personne, et ce n'est pas parce qu'elle se trouve sur Google Images que j'ai le droit, moi, de l'exploiter, même dans le cadre d'une présentation d'un webinaire. Donc, j'en porte la responsabilité, j'ose espérer que vous ne m'en voudrez pas, en tout cas que c'était à titre d'exemple, et si ça posait problème à certains, je ferai une demande légale à la personne qui avait stocké ce fameux JPEG « Hotlinking is not cool ». On a quand même une responsabilité civile si vous exploitez ou si vous utilisez ce principe même de hotlinking. Donc, responsabilité portée, si vous le faites dans le cadre de votre entreprise, portée sur le dirigeant, sauf si ça sort de vos compétences. Alors là, c'est le dirigeant qui peut se retourner contre vous, mais là, on n'est plus sur du juridique cyber, mais on est sur du RH, et où il peut se retourner contre vous. En cas de lien, responsabilité pénale, bien entendu, s'il y a de la contrefaçon et de la complicité. Si vous mettez des liens ou vous stockez des liens qui sont vers des sites non légaux ou des sites qui renvoient vers des informations pour lesquelles vous n'étiez pas censé avoir de l'information. On va parler de streaming, par exemple. On va parler aussi de liens vidéo ou de stockage. Vous trouvez un Google Drive non protégé, vous trouvez d'autres choses comme ça. Vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a de la contrefaçon. Et en plus, comme vous l'exploitez, vous le mettez à disposition d'eux, il y a une véritable responsabilité pénale. En cas de lien hypertexte vers un site étranger, on retrouve une compétence française, parce que parfois on peut se poser la question, compétence française car établie sur le territoire français, hébergeur web français, et on considère que c'est exploité par un site français, si bien entendu vous êtes hébergé sur un site web français. Voilà. On a sur les œuvres protégées, encore une fois pour les plus anciens d'entre vous ou les plus jeunes, peut-être connu Napster, une première version qui permettait de télécharger des MP3 illégalement. On a Emule qui a permis de démocratiser aussi cet échange finalement d'œuvres protégées via, donc on était sur du décentralisé. En peer-to-peer. Ensuite, on a eu du centralisé au Napster. En fait, le centralisé, c'est clairement quand
on va chercher sur l'ordinateur de l'autre, alors que décentralisé, on passe par des serveurs qui eux-mêmes permettent d'envoyer le flux d'informations qu'on vient récupérer. Mine de rien, que ça soit pour centraliser ou décentraliser, on est tout de même dans une responsabilité du propriétaire de la ligne Internet à aujourd'hui. On retrouve encore actuellement, certains d'entre vous malheureusement peuvent utiliser ce type de service, des newsgroups, où on vous demande un accès à une page web via mot de passe login, et même de payer pour se retrouver sur des newsgroups qui partagent eux aussi ces informations-là. Ben, on se retrouve dans la même juridiction, et vous n'avez pas le droit de posséder en tout cas des œuvres privées, et de l'autre côté, c'est le serveur qui les met à disposition, et du coup, des sanctions de contrefaçon. On a un grand étendard, en tout cas, The Pirate Bay, qui est le joli bateau qui a coulé moult fois et qui s'est à chaque fois redressé. Il y en a beaucoup, le but n'étant pas forcément de faire de la pub, mais juste de vous expliquer ces problèmes juridiques en tout cas. Le streaming qui a explosé depuis 5-10 ans, on ne peut pas finalement vous reprocher à vous la reproduction de l'œuvre, contrairement au peer-to-peer, mais malheureusement, voilà où ce sur quoi normalement Adopi, si elle avait les moyens d'eux, vous attaquerait, c'est sur, vous devez, même si vous mettez à disposition, vous pouvez mettre à disposition du streaming, en revanche, il vous faut juste entre guillemets, l'accord des ayants droit, des auteurs et des titulaires des droits. Donc bien entendu, vous, on ne peut pas vous reprocher puisque vous ne stockez rien, quoique en mémoire tampon, mais vous ne stockez rien sur votre ordinateur. Malgré tout, vous devez apporter la preuve qu'on vous a prouvé que les ayants droit ont donné leur accord pour partager ces informations-là. C'est ce qu'on retrouve sur Netflix et autres, sur Disney+, on retrouve sur Amazon Prime Video, où vous avez une catégorie qui vous propose de regarder les autorisations et les ayants droit qui ont laissé la disponibilité, bien sûr contre rémunération, mais c'est logique, mise à disposition leurs œuvres pour le public. Donc voilà. Bien entendu, si vous faites du stream ripping, donc on est dans la copie de ce qui stream vers votre ordinateur, pour récupérer les informations, c'est mort ou comme ça. Et du coup, interdiction de récupérer la main. Et même interdiction de téléphone. Voilà, protection donc de l'œuvre numérique, j'essaie d'avancer pour ne pas prendre trop de retard, sinon je vais me faire incendier. Dans les mesures techniques, on a d'identification des œuvres numériques, hein, tatouage, c'est les numériques. Alors là, je vous donne les termes qui sont utilisés dans le juridique. On a ces possibilités-là pour prouver que l'appartenance, ou en tout cas que l'œuvre nous appartient. On a des dispositifs aussi anti-copie, finalement les DRM, Virgin, Amazon ou d'autres placent des DRM dedans pour des anti-copies, ou alors Virgin avait essayé de mettre en place, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi à l'époque, mais la possibilité de télécharger du coup des WMA qui étaient tagués comme pouvant être gravés deux fois et envoyés vers 10 baladeurs numériques. Bon, ça c'est des dispositifs qui avaient été mis en place et où on essayait de mettre justement de faire le maximum. Licéité des mesures, comment garantir que ces mesures soient licites? On retrouve ce principe de licéité aussi hein, dans tout le juridique et aussi dans le RGPD. On a bien le traité de l'OMPI qui imposait aux États qui avaient signé ce traité, justement de protéger les droits d'auteur, de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour justement garantir que tout fonctionnait bien et qu'on ne puisse pas copier une œuvre numérique. Une directive 2001/29 où on a pris en compte, où on a mis en œuvre la mise en œuvre du droit d'auteur dans le monde, c'est-à-dire que ce droit d'auteur existait déjà, mais on a souhaité une internationalisation, de ce droit d'auteur pour qu'il soit justement compris et accepté par tous les États membres du monde. On a en 2006 la DADVSI, DAVSI, qui contrôle les œuvres des ayants droit, où on va essayer de mettre en place, de même que les DRM,
ou autre chose, bah, des codes d'accès, du brouillage, du chiffrement, et on va proposer ou imposer plutôt qu'on mette en place suffisamment de sécurité pour ne pas pouvoir accéder à l'œuvre numérique. C'est ce qu'on peut retrouver aussi, puisqu'il y a eu, il y a eu des annexes aussi à cette loi-là, pour la protection des données, pour un bon SMSI, donc le système de management de la sécurité de l'information, comme vous avez pu voir dans un autre webinaire, où on se pose aussi parfois sur ces lois-là pour voir les gap analysis, pour faire les gaps, pour voir ce qui nous manque pour arriver à une conformité d'implémentation 27001. Et feu ou pas feu Hadopi, hein, elle existe toujours, mais depuis 2009, on a eu Hadopi 1, Hadopi 2, plus d'autres, mais où il y avait une régulation de la diffusion et de la protection de la création sur Internet, avec malheureusement des moyens qui ne sont pas suffisants. Pas suffisant, avec non plus des possibilités de faire craindre aux contrevenants des condamnations, mais en tout cas, elle existe. On n'est pas forcément là pour remettre en question ce qui a été mis en place. Les bases de données, alors plus spécifiques, mais rapidement, le code de propriété intellectuelle indique que la BDD, c'est une œuvre de l'esprit protégée, justement, par les droits d'auteur, et ou de ces BDD qui existent un peu à droite à gauche. Certains peut-être qui suivent le webinaire aujourd'hui peuvent être pentesters ou avoir des actions de pentest et ou tester des bases de données. Bah, sachez de toute façon ou exigez de la part de vos dirigeants de vous dédouaner si jamais il y avait un problème chez un client. Alors, bien entendu, il y a des contrats qui sont faits, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il faut vérifier même vous, en tant que personne physique, qu'on ne puisse pas vous reprocher, même si le code, même si le droit vous protège hein, de ce côté-là, et le code de propriété intellectuelle vous protège, puisque ce sera votre employeur qui sera jugé, malgré tout, c'est jamais bon de se retrouver entre deux feux là-dessus. Droit d'interdiction d'extraction et de réutilisation, ce que vous voyez là au centre de la diapositive. Vous n'avez pas le droit de lister, puis trier, puis extraire les données d'une base de données. C'est interdit par le code de propriété intellectuelle. Alors pourquoi vous voyez entre parenthèses ici poème allemand? C'est juste un exemple. Hein. Il y a eu sur un site qui proposait plus de 1000 poèmes allemands. Pardon. 1000 poèmes allemands, et en fait il y a une autre personne qui a décidé de graver tous ces poèmes-là sur un CD et d'en faire et de les vendre. Finalement, celui qui avait créé la liste de tous les poèmes s'est dit bah, « moi cette liste-là ressemble un peu trop à la liste des 1000 poèmes que j'avais faite, puisqu'il y en avait 867 ou quelque chose comme ça ». Et bien finalement, la cour a estimé qu'on était trop proche des 1000 poèmes allemands, et du coup a exigé, a interdit l'extraction et la réutilisation de cette BDD, et du coup l'interdiction de la vente des CD-ROM et la rétribution des droits de cette BDD à la personne initiale qui avait listé les 1000 poèmes allemands sur son site internet. Bon, c'était juste pour étayer un petit peu mon propos. Nécessité, en revanche, de la part du producteur et de l'auteur de spécifier les limites d'utilisation de sa BDD dans ses contrats. Donc c'est l'article 343-1 du Code de propriété intellectuelle, où vous n'avez pas le droit, mais ça doit être spécifié, que vous n'avez pas le droit de réutiliser cette BDD. Des exceptions, puisqu'on est en France, il en existe toujours, et en droit encore plus. Pour l'accès aux personnes handicapées, où vous allez pouvoir réextraire cette base de données, l'adapter pour qu'elle soit visible ou accessible aux personnes handicapées, et si c'est dans un cadre d'enseignement de recherche qui permet, encore une fois, de même que pour le RGPD, permet d'assouplir cette loi et ce qui est imposé ou pas au niveau de la loi. Le partage numérique, le commun ou bien commun est une ressource dont les droits d'usage sont partagés, une ressource gérée par une communauté qui fixe des règles de gouvernance afin de protéger et faire fructifier cette ressource. Et donc, un bien commun, quand on parle de partage numérique, on a des exemples ici de OpenStreetMap où tout le monde, finalement, vient donner de son propre temps, de sa propre collecte d'informations. Wikipédia est aussi basé là-dessus sur du partage numérique où on considère que plus il y a de contributions et plus ça améliorera la qualité. Et donc, personne ne peut exiger la propriété de ce qui est posté sur ces sites-là. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent, enfin on considère qu'on est sur du domaine public, au-delà même, puisqu'on met à disposition d'eux pour réexploitation.
On a eu un petit problème, en tout cas une problématique sur la traduction anglaise, puisque sur ces freemium, enfin, ou sur ces freeware, on a le free qui veut dire deux choses finalement de l'anglais, c'est gratuit ou libre. Et du coup, quand on parle de juridique, le free, bah, il va bien falloir à un moment qu'on trouve une découpe, une conception de free gratuit ou free ou libre. Finalement, on est parti sur cette définition que je vous ai lue juste au-dessus, où on considère que gratuit et libre fait partie du partage numérique. Et du coup, juste pour votre information, hein, la durée légale de protection d'un logiciel, c'est 70 ans à compter de la publication, puis ça tombe dans le domaine public. Bien entendu, il y a des possibilités, dès lors que vous mettez à jour ce logiciel, on peut reprolonger, pardon, cette durée légale de protection, ou alors vous pouvez demander à ce qu'elle soit prolongée indéfiniment, mais là on passe par des spécificités du droit sur lesquelles je ne vais pas revenir là. Ou alors, vous pouvez aussi, dès lors que vous créez un logiciel, créer quelque chose, abandonner vos droits d'exploitation. C'est un peu comme ça s'est passé avec le PGP, où c'est un logiciel libre, où de toute façon, il y a bien quelqu'un, un auteur qui l'a créé, mais qui a renoncé à ses droits d'exploitation et où tout le monde peut les utiliser. Trois possibilités. On a des licences Creative Commons, donc partager gratuitement ses créations pour enrichir le patrimoine. Des licences ouvertes, Open License, droit personnel non exclusif et gratuit de réutilisation de la création. Ou alors libre accès, données de recherche qui deviennent publiques. Voilà, ça c'est aussi important cette chose-là, on pourrait en parler pendant 8 heures avec des exemples qui permettent justement de faire la découpe entre les trois possibilités. Voilà pour cette partie numérique. On va essayer de la spécifier sur cette partie cyber, ou ce qui va peut-être un peu plus nous intéresser encore. Dans cet esprit cyber, donc cybersécurité, on va voir l'obligation de sécurité. Ou vous, chef d'entreprise, ou vous, peut-être salarié, vous avez des droits et des obligations, mais en tout cas, l'entreprise a des obligations au regard du juridique et de sa cybersécurité. Et donc, pardon, décidément, l'obligation de sécurité, pourquoi on en a besoin? Vous l'avez vu dans l'ISO 27001, vous l'avez vu aussi dans l'ISO 27005. Bah finalement, enfin, les risques sont amplifiés par le numérique, par le cloud, big data, l'open data, les IoT, donc les objets connectés, les Internet of Things, les smartphones, le télétravail, ça nous oblige finalement à nous adapter et à adapter le code du travail, le cyberdroit aussi. On a des risques provenant de l'intérieur. Alors, je ne vais pas refaire les slides de l'ISO 27001 ou 27005 et je vous encourage à aller revoir les webinaires là-dessus si vous avez besoin de plus d'explications. Là, j'essaie juste de rester assez facile d'accès. Ou à l'intérieur, on peut avoir des salariés ou différentes parties prenantes qui peuvent amener des risques et qui peuvent malheureusement amener à ce qu'on perde de l'information. Et du coup, il y a une responsabilité de l'entreprise là-dessus. Et on a aussi, à cause du Covid, par exemple, on a un très bon exemple depuis 3 mois, où il y a un chevauchement entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et où on utilise ses propres devices au boulot. À la maison, parfois à la maison on utilise la connexion Internet qui amène du coup des vulnérabilités qui pourraient être exploitées par des menaces ou par des sources de risques. Enfin bon, on va pas rentrer dans le détail non plus. Et ça peut venir aussi de l'extérieur où on a différentes connexions, les travails collaboratifs, portabilité des appareils comme je viens de dire, et des attaques sur les besoins de sécurité, donc le CID, hein, confidentialité, intégrité, disponibilité. Voilà. Donc pourquoi on a besoin de sécurité? Dans les bonnes pratiques, elles sont classées, à mon sens, selon trois ou quatre besoins. Où on a le premier, c'est manage and protect, où là, vous avez un parallèle qui est fait avec le 27001 ou le 27701, donc sur la protection des données. Identify and detect, où là, on est plutôt sur l'identification et l'appréciation des risques, et donc ISO 27005 et aussi par extension une méthode qui est BioCRM. Je vous rappelle le club Ebios. Hein. Respond and recover, où là on est plutôt sur de la reprise d'activité ou la continuité d'activité au cas où ça nous arrivait. Et enfin, du govern and assure, où là on est sur de la gouvernance, encore une fois sur du 27001 et 27701, dans les bonnes pratiques. Si vous suivez ces principes-là, là-dedans, et si vous les déployez, si vous implémentez toute cette norme, alors vous êtes dans les bonnes pratiques des obligations du droit concernant la cybersécurité.
Les responsabilités de l'employeur et sa responsabilité donc est engagée sur du civil pour préjudice subi par les victimes suite à une faute ou du fait de la négligence ou de son imprudence ou sur du pénal. Autrement dit, vous êtes vous êtes entreprise et vous avez même un de vos salariés qui, à cause de ce qu'il fait, subit soit une imprudence, une négligence, ou que votre salarié est négligent ou imprudent, alors on est toujours sur une responsabilité de l'employeur, qui, on revient encore une fois en parallèle avec le RGPD, l'employeur est de toute façon le responsable de traitement, et donc c'est lui qui porte la responsabilité de tout. On est sur du pénal dès lors qu'on est, de toute façon je l'ai noté en dessous, si manquement à des obligations de sécurité évidentes, sont prévus en tout cas par le droit, 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 300 000 euros d'amende. Donc avec un extrait de la Cour pénale, article 226-17, où ça peut poser problème. On a un exemple, c'est un litige finalement concernant l'antivirus inefficace, où il y a une entreprise qui avait acheté un abonnement d'antivirus et qui finalement s'est fait hacker. Pirater, et l'entreprise s'est retournée contre le fournisseur du logiciel antivirus en disant « Mais vous voyez, vous ne m'avez pas protégé. » Et en fait, le fournisseur le logiciel a prouvé que dans l'entreprise autorisait, ou en tout cas n'interdisait pas à ses salariés d'aller sur des sites de téléchargement illégaux, sur des sites de streaming, et que du coup, ça faisait sauter la sécurité, ou ça faisait sauter, ça ajoutait un trou dans la sécurité qui ne devrait pas l'être si elle était conforme, par exemple, 27001, et donc sa responsabilité n'était pas faite en tant que logiciel d'antivirus. Vous voyez, en tout cas, c'est hyper intéressant pour ceux qui auraient besoin de jurisprudence ou qui chercheraient des informations là-dessus. En cas de faute de l'employé, du coup, responsabilité civile de l'employeur s'il a agi dans le cadre de ses fonctions. Rappel, donc la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, site litigieux effectué avec le matériel de l'entreprise. On a le cas d'un employé qui, avec le matériel de l'entreprise pendant ses heures de boulot, a mis en place un autre site litigieux et qui pouvait revendre de la drogue avec ce qu'il avait fait. Et bien en fait, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que, de toute façon, l'employeur doit contrôler le bon usage par les salariés d'un outil appartenant à l'entreprise. Autrement dit, vous, entreprise, vous mettez à disposition du matériel informatique, c'est à vous de contrôler le bon usage par les salariés d'un outil appartenant à l'entreprise. Et donc, c'est l'employeur qui s'est retrouvé civilement responsable de ce qui avait été fait par l'employé. Bien entendu, ensuite, l'employeur peut se retourner contre son employé, mais il ne pourra le faire qu'au titre d'une gestion du management RH de son entreprise. Exclusion de la responsabilité du dirigeant si l'employé a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et ou à des fins étrangères à ses attributions. Vous voyez quand même que la responsabilité du dirigeant est quand même assez exposée. Considérant, du coup, on va faire une petite spécificité sur les white hat, et du coup, sur, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément ce white hat, c'est les gentils hackers qui eux justement essaient de détecter les failles et qui font du bug bounty ou qui travaillent en tant que pentest et pour justement sécuriser les SI, les systèmes d'information, pour éviter que les black hat, justement par opposition les méchants, puissent exploiter les failles. Et donc pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information, l'obligation prévue à l'article 40 du code de procédure pénale n'est pas applicable à l'égard d'une personne de bonne foi qui transmet à la seule autorité nationale, blablabla, dont l'ANSSI, dont d'autres, ou si vous êtes white hat et que vous agissez comme un white hat, c'est véritablement le bonne foi qui est le plus important là-dedans. Vous détectez une faille, vous prévenez les personnes en responsabilité de l'entreprise plus les autorités, et vous avez interdiction de divulguer la faille si ça nous permet de remonter jusqu'à l'entreprise où on aurait pu trouver la faille. Là, vous n'êtes plus un white hat, vous êtes considéré comme pirate informatique et qui exploite et qui en plus communique. Alors vous allez me dire, mais quid des retours d'expérience, quid des white hat qui peuvent écrire, dire bah attention, l'exploitation d'une faille, la dernière CVE, voilà comment on exploite. Si on n'a pas la possibilité de revenir sur où il a trouvé cette faille-là
et l'entreprise dans laquelle il l'a trouvé, il a le droit de communiquer. Maintenant, si on a la possibilité de faire le lien entre l'entreprise, ce qui a été trouvé, exploité et publiquement, alors on considère que ce n'est plus de bonne foi. C'est véritablement presque pour pénaliser l'entreprise. Et là, du coup, on tombe sous le coup de la loi. La cryptographie, alors je regarde l'heure et je vais déborder un petit peu, j'en suis désolé. Où je rentre en tout cas rapidement, mais que vous avez des obligations de cryptographie, de cryptologie, pardon, excusez-moi. Mais en tout cas, la France n'a eu de cesse que d'améliorer le principe de chiffrement et de cryptologie, puisque si malheureusement vous cassez du code cryptologique, comme c'est écrit hein, dans le droit cyber, d'une entreprise, d'un État, d'un gouvernement, alors vous risquez jusqu'à 3 ans de prison et 270 000 euros d'amende. Et on considère qu'actuellement, en tout cas dans les dernières jurisprudences, le seuil attendu par les autorités est du 128 bits au niveau des clés. Voilà. Les besoins en législation, ce qui reste encore à légiférer, alors il y a des choses qui sont déjà faites, hein, qui sont déjà en cours, mais qui nécessitent encore précision, l'utilisation de la blockchain, qui révolutionne, mais qui va révolutionner encore une fois les contrats juridiques, le bitcoin, ou en tout cas tout ce qui est monnaie qui n'est pas palpable, monnaie électronique, le chiffrement, on revient à la cryptologie aussi, et à d'autres notions de flux de données, les smart contracts aussi qui rejoignent aussi en partie la blockchain mais pas que, la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent, mais ça avait lieu déjà avant, mais on doit l'intégrer aussi à cette cybersécurité, et enfin le RGPD avec les données personnelles. Responsabilité des acteurs traditionnels actuellement, donc l'obligation générale de concourir à la lutte contre certaines infractions. Vous avez, vous, entreprise, vous, pentester, vous, white hat, des obligations de conservation de données de connexion, des obligations de notifier les failles de sécurité, de surveillance, de retrait et de blocage pour les IP ou pour les malveillants, et aussi obligations de déréférencement au niveau de la loi. Alors, bien entendu, ça nécessiterait encore une fois, même sur cette slide-là, d'aller beaucoup plus loin encore dans les explications, mais ce n'est pas possible actuellement. Les principaux acteurs ayant eux-mêmes des responsabilités, les opérateurs, les fournisseurs d'accès, les fournisseurs d'hébergement et de plus les hébergeurs spécialisés dans le cloud, dans les hautes données de santé et j'en passe et des meilleurs qui ont aussi eux une responsabilité dans le juridique. Enfin, les infractions pénales dans l'environnement numérique. Encore une fois, je vous encourage à revenir vers moi ou vers Jérôme si vous souhaitez en savoir plus sur ces différents thèmes. Atteinte au système d'information, atteinte aux libertés individuelles, atteinte à l'ordre public et atteinte aux mineurs. Et clairement, c'est sur ces quatre items qu'à chaque fois dans la cybersécurité et dans le numérique plus largement, on juge s'il y a risque ou pas, finalement, s'il est nécessaire d'engager des procédures, on va chercher des atteintes à ces quatre items-là. Les enquêtes et la collecte dans l'environnement numérique, bien entendu, vous avez les services de renseignement hein, qui peuvent mener des enquêtes, des perquisitions, des interceptions judiciaires administrative, faire de l'infiltration, captation de données, techniques de géolocalisation et d'autres qui sont prévues par le code cyber de la police. Et vous en avez ici quelques exemples. Ici, le service d'enquête, les différents services d'enquête et de renseignement. Alors à chaque fois, j'oublie exactement ce que c'est, du coup je rebascule ici, où on a le plateau d'investigation cybercriminalité et analyse numérique du pôle judiciaire et de la gendarmerie nationale, ça c'est ici le PCIAN, le C3N, un peu plus connu, enfin en tout cas pour ma part connu, le BEFTI qui est lui spécialisé en région parisienne, et autres ensuite où vous en avez énormément, et qui permettent d'encadrer toute cette partie de juridique dans la cyber et qui permettent, bien sûr, aidés par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, de couvrir justement et d'aider les entreprises à retrouver un système d'information sain. On arrive à la troisième partie, RGPD et le cadre juridique, où là, je vais vous faire une présentation, mais véritablement générale du RGPD, où le RGPD, c'est quoi ce qu'on comprend là-dedans, ou ce que vous devez comprendre, RGPD, Règlement Général de la Protection des Données, ou GDPR en anglais, où on harmonise les règles de l'Europe, en Europe en tout cas, en offrant un cadre juridique unique aux professionnels, où c'est bien une réglementation européenne avec une obligation pour les États de se conformer à la réglementation et donc de mettre en place des bonnes pratiques au sein de son territoire.
Une donnée personnelle, c'est quoi? Ben, au sens large, toute information se rapportant à une personne physique ou identifiable. Comment peut-on identifier une personne dans un SI, dans un système d'information? Directement via son nom, son prénom, numéro de téléphone, voix, image, une donnée biométrique. On en verra d'autres aussi, enfin, vous en avez sans doute d'autres en tête. Mais en tout cas, il y a une obligation de se mettre en conformité avec le RGPD pour les entreprises. Un traitement de données personnelles est une opération, un ensemble d'opérations portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé, collecte, enregistrement, organisation, conservation, et ainsi de suite. Ce que j'aimerais préciser aussi, c'est que dans le traitement des données personnelles, on parle énormément de numérique, mais concernant le RGPD, on n'est pas que numérique. On est aussi en données papier et tout autre support. Il prévoit véritablement l'entièreté de ce qui pourrait être utilisé ou pas par la suite, ou ce qui aurait pu être utilisé avant. Un traitement de données doit avoir une finalité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. C'est exactement ce dont je vous parlais il y a 10 minutes ou un quart d'heure, en vous disant que vous dites à la personne, je collecte ton nom, ton prénom et ton adresse à des fins marketing, mais voilà à quoi je vais les utiliser. Vous n'avez pas le droit de les réutiliser dans le cadre d'un recrutement, par exemple, ou pour une autre finalité. Ou alors, de revenir sur un consentement et de redemander un consentement à la personne. La genèse du RGPD, je vais quand même y passer rapidement, puisque en fait, ça part de 78, où on est sur la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, puisqu'on avait déjà à l'époque ce projet Safari, qui est un acronyme et qui permettait au début des réseaux et de l'Internet, avant un peu l'Internet, nous permettait à l'État de capter énormément d'informations personnelles sur les gens. Et du coup, ce projet Safari a un peu capoté, ou en tout cas est née la CNIL, et je pense que d'autres pourraient en parler mieux que moi, mais en tout cas, voilà d'où ça vient. Finalement, on a eu des améliorations, on a eu du 2004, on a eu du 2010, on est arrivé jusqu'à maintenant 2016, ou enfin 2005, ouais, 2004-2005, on a dit 2012 ensuite, on arrive à 2016, où au 25 mai 2016, l'Europe décide, entérine, que le règlement entre en vigueur à compter du 25 mai 2016, où vous aviez jusqu'au 25 mai 2018, pour vous, entreprise, institution, pour vous mettre à la page du RGPD. Rassurez-vous, 2 ans plus tard, puisqu'on est début juin, on est encore en dessous des 10% sur les entreprises déclarant, on est bien sur la déclaration, déclarant être conforme RGPD. Alors, une conformité totale ne se fait jamais en RGPD, on est en mise en conformité RGPD, mais même proche de la conformité à 100%, très peu le sont, mais c'est pas une raison pour ne pas l'être. D'accord ? Modification importante concernant le RGPD, ça on va le passer. Plus qui est concerné, ben finalement toutes les entreprises présentes sur le territoire de l'Union européenne ou pas, ou en tout cas qui a une partie de son activité cible sur les citoyens européens. Et donc ça oblige, par exemple Facebook ou une entreprise américaine, peut-être pour pas la citer, d'avoir des bureaux en Europe qui peuvent eux-mêmes relayer et avoir cette notion de DPO, Data Protection Officer, et pour garantir à l'Europe qu'il y a bien des correspondants. Avant on parlait de correspondants informatiques et liberté, les CIL, qui sont transformés maintenant en DPO, ou DPD en français, délégués à la protection des données, qui sont là pour relayer, pour faire le lien entre les administrés, on va dire, ou les clients particuliers, l'entreprise et les autorités compétentes, qui est nous représentées en France par la CNIL. Les différents acteurs, alors là, je vais le passer aussi rapidement. Une bonne méthode pour mettre en place le RGPD, en premier lieu, désigner un pilote, donc un DPO, qui va, on va dire, comme un chef de projet, gérer un peu la mise en application du RGPD, cartographier, c'est-à-dire comprendre la donnée dès lors qu'elle rentre dans l'entreprise. Elle vit dans l'entreprise, elle meurt, elle disparaît de l'entreprise ou elle est stockée dans l'entreprise ou archivée. Eh bien, on doit être capable de la cartographier, de pourquoi on a capté cette information-là et quel service capte quelle information. Prioriser, on est sur comprendre, alors peut-être sur du Pareto 20-80, où on va essayer de conforter 80% de notre activité sur 20% de chiffre registre dans la cartographie. Gérer les risques, où là on va se replonger sur le 27005
mais en extension, c'est-à-dire qu'on va être sur de l'analyse d'impact, le PIA, comme on l'appelle du côté RGPD, ou une AIPD, une analyse d'impact sur la protection des données, où on va évaluer le risque, ou en tout cas, si l'occurrence arrivait, c'est-à-dire l'événement, puisqu'un événement, c'est un risque qui a plus de 99% d'arrivée, il arrive, si on perdait des données personnelles, comment cela se passerait et comment on serait obligé de réagir et quels seraient justement les gens qui pourraient se plaindre et qui pourraient nous dire, enfin, voilà, une gestion des risques appliquée au RGPD. Organiser, ça veut dire former aussi, ça veut dire sensibiliser nos collaborateurs et indiquer du coup une organisation pour se mettre en conformité. Et enfin, le plus difficile, mais dans toutes les normes, c'est ainsi, documenter la conformité et surtout maintenir une communication et une documentation avec l'interne et l'externe et toutes les parties prenantes finalement. Donc, je vais rapidement passer là sur la désignation du pilote que je viens de donner, puisque ce DPO aura comme obligation d'informer, de sensibiliser, de réaliser l'inventaire, de concevoir et de piloter la conformité dans ces grandes lignes. Bien entendu, le DPO n'est jamais le responsable final du traitement des données, c'est le responsable de traitement. Et en général, dans vos entreprises, le responsable de traitement, c'est le PDG qui est en responsabilité de tout. Ou alors dans une mairie, c'est le maire, ou dans une agglomération, c'est le président de l'agglomération, par exemple. Cartographie de traitement personnel qui va vous amener du coup à cette obligation de traitement des données et d'organisation des traitements. La CNIL, sur son site internet, propose des fiches très bien faites. Nous aussi, ici en entreprise, on propose des accompagnements pour créer ces fiches-là, pour comprendre la démarche. On le fait aussi. Vous pouvez aussi trouver facilement des guides sur la CNIL selon votre secteur d'activité, pour le coup. Cartographie, prioriser, ça je l'ai dit aussi, et où on arrive ici dans la fin de priorisation. Alors je vais peut-être juste reprendre au moins là-dessus, dans cette cartographie, parce que sinon je ne serai pas complet. C'est finalement, vous allez pour chaque traitement de données, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez collecter de la donnée personnelle ou une nouvelle donnée personnelle, vous allez devoir vous demander qui. Pourquoi j'en ai besoin ou qui est responsable de ça? Pourquoi je stocke ça ce que je stocke? Pourquoi je le stocke? Où est-ce que je le stocke? Qui peut y avoir accès? Quelles sont les mesures de sécurité que j'ai mis en place? Combien de temps je vais conserver cette donnée? Et là, on se rapproche encore une fois du droit, puisque quand il s'agit de la paye, quand il s'agit des RH, eh ben, le règlement, le RGPD, ne vient pas par-dessus les droits du travail. Et donc, si le droit du travail impose 3 ans ou 4 ans après le départ du salarié, ce n'est pas le RGPD qui va imposer moins. Au contraire, il va se paralléliser avec la loi. Et finalement, comment je le protège, comment je le stocke, et dès lors que je n'ai plus à le stocker, comment du coup je vais pouvoir le détruire, comment je le documente, comment les personnes y ont accès et comment je prouve ou je fais valoir les droits des personnes quand elles ont besoin d'accéder à ces informations-là. Et pour le coup, là-dedans, il est nécessaire, à mon sens, de passer par du logiciel de gestion électronique de données, je vais y arriver, la GED, une gestion électronique des données qui, en mode avancé, peut permettre de plus facilement implémenter le RGPD dans votre entreprise. Et c'est beaucoup plus simple, ça permet pour le coup d'être plus clair et plus facilitant pour le DPO débutant. Et bien entendu, ce DPO doit être certifié, il doit avoir les compétences pour, et vous devez prouver à votre niveau aussi que vous l'avez formé à ce travail. Sinon, au même titre que le 27001, si l'auditeur interne n'est pas compétent pour auditer, bah alors votre implémentation n'est pas valable et du coup, vous aurez une non-conformité. OK ? Donc, j'ai essayé de vous présenter globalement ces aspects cyberdroit et RGPD dans le temps qui m'était imparti. Pour rendre à César ce qui appartient à Christiane, finalement, sur tout ce qui était cyberdroit et cybersécu et autres, je me suis bien aidé de ma Bible, finalement, qui a été renouvelée assez récemment. Là, c'était au mois de février, je crois, ou mars.
qui est cyberdroit, le droit à l'épreuve de l'Internet, où, bah voilà, encore une fois, je m'en suis servi et j'en remercie en tout cas l'auteur d'avoir fait ce type de bouquin. Alors, c'est très précis, mais en tout cas, voilà, c'était au moins pour citer ma source là-dedans. Tout ce qui concerne le RGPD est en collaboration avec l'ESD Cyber Security Academy. Voilà, je pense avoir tenu plus ou moins les délais, Jérôme. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et je te laisse continuer. J'espère avoir été clair et pas trop brouillon, et pas trop chiant, et pas trop tout. Jérôme, peut-être? Oui, je suis là. Julien, je te propose, j'ai un petit problème technique. Est-ce que tu peux passer aux questions-réponses? Bien sûr, pas de souci, si j'y arrive. Alors, question-réponse, excellent. Du coup, je te laisse faire les questions-réponses, parce que je pense que vous avez un mauvais son, problème de micro. Moi, j'avais un mauvais son? Ah. Non, le mien. Donc, je vais le faire, pas de souci. Alors, je commence du coup par le début, hein, merci, enfin, oui, par le plus haut, merci en tout cas de poser vos questions. Vu l'importance de la dite présentation, ça aurait été possible. Oui, vous aurez, je pense que Jérôme confirmera, mais vous avez accès de toute façon, comme à chaque fois, dans les liens du webinaire, quand il y aura quand on va le poster sur YouTube, vous aurez bien sûr cette slide-là avec les sources et avec les commentaires que j'ai pu mettre sur chaque slide. Donc, merci à toi de poser la question, mais oui, vous l'aurez. Par contre, si on développe hors horaire de travail, mais que l'entreprise utilise notre programme, dans ce cas-là, on a la pleine possession de la propriété des droits. Point d'interrogation. Merci, chère Yette. Si on développe hors horaire de travail. Alors, la question, finalement, qui se pose, hein, mais encore une fois, ça, le juridique demanderait le cas spécifique à chaque fois. Si tu développes pour ton compte personnel hors horaire de travail, mais avec le matériel de l'entreprise, mais que l'entreprise n'avait pas mis dans le contrat que tu n'avais pas le droit d'utiliser ton ordinateur hors du temps de travail. Enfin, il y a énormément de choses là-dessus. Maintenant, il faudrait que l'entreprise arrive à prouver que ce que tu as développé a été utilisé grâce à l'outil de travail. Mais normalement, alors je ne vais pas non plus partir là-dedans parce qu'il faudrait que je relise le bon article et la jurisprudence là-dedans. À mon sens, hors horaire de travail, tu as le droit de développer dans ton coin ce que tu veux. Sauf si tu as développé avec les outils de l'entreprise. Alors, dès lors, là, c'est même plus un problème de propriété de droit, mais c'est l'ordre de propriété de droit, mais de l'utilisation des outils de l'entreprise hors temps de travail. Et donc là, c'est un peu différent encore. Salut Julien, qu'en est-il des liens présents sur un site qui a été piraté et qui renvoie vers un site malveillant? Est-ce que la déclaration de non-responsabilité sur le site est vraiment suffisante? Qu'en est-il des liens présents sur un site qui a été piraté et qui renvoie... Ah oui, d'accord, tu te fais spam ta page d'accueil. Alors là, la responsabilité... Non, en fait, enfin, je ne sais pas si je comprends bien, en tout cas, merci Shafik d'avoir posé la question. De toute façon, toi, tu es responsable de ta ligne éditoriale, c'est-à-dire que si malheureusement tu n'as pas protégé suffisamment ton site web, alors tu en deviens responsable. Bien entendu, tu devras prouver, par exemple, alors on l'a déjà vu, enfin nous on le voit en formation cyber, hein, et le terme ne me revient plus et ça m'énerve, mais c'est pas grave quand tu passes par-dessus la page web. Mais en tout cas, toi tu dois normalement prouver que tu as mis tout en place concernant la sécurité de ton site internet. Et donc, comme tu n'as pas été capable de le mettre en place, bien entendu, si toi tu vends des fleurs, enfin peut-être pas des fleurs, tu vends des voitures et que bizarrement tu te mets à vendre du cannabis sur ta page web parce qu'il a été piraté et renvoie du coup vers un autre site, tu resteras malgré tout responsable de ne pas avoir suffisamment sécurisé et ou tu t'en es pas rendu compte assez rapidement et du coup tu vas tomber sous le coup de tu n'as pas mis en place les alertes, les alarmes concernant ton administration de site web. Et donc, tu deviens responsable, bien entendu. Selon la loi française, je le rappelle, sur les lois internationales ou sur d'autres pays, je ne m'avance pas. Mais en tout cas, sur la loi française, quand on arrive à spammer une page web, finalement, la responsabilité revient à la personne responsable du site web.
Pourquoi doit-on nous conformer au RGPD? Merci Yalkouy, enfin pardon, en tout cas si je prononce mal, se conformer au RGPD parce que c'est une réglementation européenne qui est obligatoire. Et donc, pourquoi tu veux te conformer au RGPD? Bah, déjà, alors il peut y avoir de multiples possibilités. Il y a surtout et avant tout, tu as une responsabilité vis-à-vis de tes clients, vis-à-vis de ceux avec qui tu travailles, donc les parties prenantes, hein, en interne et en externe, et que si tu collectes de la donnée personnelle, bah finalement les gens mettent en toi de la confiance, et toi tu dois en tout cas leur prouver que tu es suffisamment sécurisé, et que la donnée personnelle tu vas pas en faire n'importe quoi, et que tu as surtout bien pris en compte que la donnée personnelle, l'identité numérique pouvait tuer une vie. Pouvait tuer une famille entière ou même une entreprise si elle était manipulée à mauvais escient. Et du coup, l'objectif, c'est finalement de garantir lors de cette conformité que toi, tu travailles bien, que pour tes clients, tu travailles bien, pour tes prestats, pour tes futurs clients pro. Voilà pourquoi on exige une conformité au RGPD. Avant tout, c'est la loi qui nous l'impose, mais derrière, on peut aussi s'en servir comme argument même marketing et de dire, enfin en tout cas un peu un peu comme une RSE, où on se dit, de toute façon, moi j'ai envie de bien travailler, je fais de la qualité, je suis ISO 27001, je veux tendre vers l'ISO 27701, donc qui est l'extension ISO du RGPD, et donc bah, je travaille dans la qualité, je suis conforme RGPD. La formation continue entre-t-elle dans le cadre de l'enseignement? Claudie qui pose ça. Formation continue entre-t-elle dans le cadre de l'enseignement? Je ne comprends pas trop la question. Je suis désolé, Claudie, si tu peux la reposer plus bas quand j'arriverai en bas, du coup. Et je te remercie malgré tout de l'avoir posée. Bonjour et merci beaucoup pour ce webinaire très intéressant. Merci. Question, quels sont les régimes applicables aux scans de port et intrusions? Pentest. Merci, Alexandre, d'avoir posé cette question-là. Alors, ça demanderait... On en revient encore une fois dans le cadre légal de toi si tu es pentester, justement. Le scan de port et intrusion, tu as une délégation de l'autorisation de la part de ton client qui lui délègue à l'entreprise qui en est responsable du coup, qui est responsable de toi, qui fait du scan de port et des tests d'intrusion. Donc l'entreprise autorise, un peu comme du bug bounty, mais aussi dans le cadre du pentest, mais ça il faudrait relire ton contrat de pentest qui doit inclure toutes ces obligations et toutes ces enfin les articles du code de protection de la CPI, enfin du code de propriété intellectuelle. Et je t'encourage, Alexandre, en tout cas, si tu souhaites en savoir plus là-dessus, de peut-être en privé ensuite d'aller un peu plus loin là-dedans, où je te donnerai un peu plus d'informations, enfin en tout cas plus précis. Avez-vous un exemple de cartographie de traitement de données personnelles? Existe-t-il des logiciels pour les construire? Bien entendu qu'il existe des cartographies de traitement de données personnelles. Tu en trouves sur le site de la CNIL. Merci Claudie, une nouvelle fois. Tu as sur le site de la CNIL tous les outils qui sont à disposition. Sinon, des logiciels pour les construire, la cartographie, c'est à mon sens assez compliqué. En général, elles sont développées en interne. Nous, on les développe en interne. Maintenant, rien ne t'empêche de partir d'une bonne base, c'est-à-dire qui la bonne base de la conformité 27001 et l'annexe A au 27002 de l'ESD Cyber Security Academy sur GitHub, que vous avez déjà eu dans un autre webinaire, pour la réutiliser et l'adapter au RGPD à la cartographie. Puisqu'on a d'un côté les obligations et de l'autre côté, enfin, tu as les items, ce sur quoi tu dois cartographier. Donc, ça me semble plutôt convenable de partir là-dessus. Je suis désolé, j'ai juste ça. Merci pour la présentation. Est-il obligatoire pour toutes les entreprises d'avoir un DPD? Non, ce n'est pas obligatoire. Et de plus, alors, encore une fois, le temps passé, mais vous n'avez pas l'obligation. Il est plutôt conseillé d'en avoir un. Hein. Il y a énormément de dispositions qui n'imposent pas d'avoir de DPD. Maintenant, un DPD peut se faire à mi-temps. Un DPD peut se faire 3 heures par mois. Un DPD peut être... partagé avec d'autres entités. Donc, tu peux mutualiser un DPD. Nous, c'est ce qu'on fait aussi, c'est ce qu'on propose hein, chez Catalyst. On travaille, c'est-à-dire, on est sur des petits contrats 10-15 heures par mois, mais sur certains, c'est 10-15 heures par an, et d'autres, c'est 10-15 heures par semaine, où on a cette action de DPD
dans les entreprises. Bien entendu, par exemple, une infirmière, on prend juste le cas d'une infirmière qui traite de la donnée personnelle et de la donnée sensible encore plus, puisqu'on a on a de la donnée médicale, bah, elle finalement n'a pas besoin de DPD, elle a juste besoin d'avoir un registre des traitements et d'avoir prouvé qu'elle était capable de protéger sereinement ses données personnelles et les données de santé. Ben, du coup, dans ce cas-là, elle n'a pas besoin d'un DPD. Certes, pour une conformité, c'est-à-dire pour une mise en conformité, c'est un peu comme l'ISO 27001, on conseille d'avoir un lead implémenteur, parce que le lead implémenteur connaît normalement, s'il est expérimenté, hein, si, il n'a pas juste la certif, mais s'il est expérimenté, il sait ce par quoi il faut passer pour justement mettre en place un SMSI de qualité. Bah, le DPO ou le DPD qui est qualifié, lui aussi connaît la marche à suivre et ne va pas perdre de temps en la collecte d'informations et ainsi de suite. Malheureusement, il n'y a pas encore de logiciel ou pour accompagner. Maintenant, le site de la CNIL est tout de même bien fait. Et sinon, monsieur ou madame Bas, je ne sais pas, il n'y a pas de problème pour qu'on en rediscute ensuite sur les différentes méthodes qui sont possibles. Dans le RGPD, de quelle taille parle-t-on quand on mentionne à grande échelle? Merci Claudie, une nouvelle fois. C'est un terme qui est assez compliqué, puisque on parle aussi de proportionnalité. Donc à grande échelle, c'est au regard de la population totale. Quand tu parles de à grande échelle, si ta population totale, c'est une classe de 30 enfants, c'est une notion qui est encore une fois assez floue, mais en fait, tu dois regarder à chaque fois par rapport à la population totale. L'objectif, quand on parle de à grande échelle, c'est que toi, tu imposes dans tes écrits, dans ta documentation, que tu considères à grande échelle comme étant, je ne sais pas, par exemple, 70 000 personnes. Ou que tu considères que 1 000 personnes, c'est déjà à grande échelle. Et que quand tu collectes, ben voilà, il y a des spécificités dans lesquelles je ne veux pas forcément rentrer non plus là-dedans parce que ça va embrouiller plus qu'autre chose. Mais le grande échelle renvoie en fait à est-ce que la population totale, est-ce que tu te rapproches de la population totale ou pas? Voilà, merci, mais de rien. Y a-t-il une différence entre le PIA et une analyse de risque? Alors, merci encore une fois, Bas. Il y a des différences, bien entendu. Alors, quand tu parles d'analyse de risque, je pense que c'est analyse de risque ISO 27005, ou en tout cas. Donc, oui, il y en a, bien entendu, puisque tu portes sur. Et là, pour le coup, il y a un logiciel, le PIA, qui est en version 2. Depuis l'année dernière et qui est très bien fait de la part de la CNIL, que vous pourrez se trouver, je vous le mettrai en lien aussi si je n'oublie pas, mais vous pouvez le trouver sur n'importe quel moteur de recherche, et qui vous permet de faire une analyse d'impact, donc le PIA. L'analyse de risque, alors l'analyse d'impact, on est sur que se passerait-il si une des données personnelles fuitait. Une analyse de risque, finalement, on va quand même malgré tout chercher à faire la même chose. Donc, bien entendu, les puristes me sauterait au cou en disant, s'ils m'entendaient, mais j'assume que une analyse de risque et le PIA sont presque la même chose. À mon sens, sur des débutants et des non-experts, on peut considérer qu'une analyse de risque se rapproche énormément du PIA et inversement. Sauf que le PIA est bien plus orienté données personnelles et ce que je fais de tout ce que j'ai collecté, là où l'analyse de risque, elle, l'analyse de risque en tout cas cyber, est bien plus posée sur nos biens supports, sur comment, enfin bref, nos biens essentiels et ainsi de suite. Je serais très heureux de lire et relire le fichier électronique car je vois que j'ai beaucoup appris dans le RGPD. Eh bien, pourquoi pas? Vous l'aurez de toute façon. Merci beaucoup. Et surtout, la partie mise en œuvre, eh bien, écoutez, pas de souci pour moi. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. J'ai peut-être été un peu rapide sur certains points ou pas, j'en sais rien. Sinon, en tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous remercie des questions qui ont été posées. La formation continue. Alors, merci Claudie qui, du coup, repose sa question. La formation continue. Entre-t-elle dans le cadre de l'enseignement, dans le cadre de l'utilisation d'une œuvre? Utiliser une image dans un devoir d'école ou un support de formation continue? Oui, Claudie. On est dans la propriété intellectuelle. C'est le code de propriété intellectuelle qui le spécifie, mais tu rentres dans les spécificités du cadre de l'enseignement. Mais la formation continue, je crois, fait partie, mais je voudrais pas trop te dire de bêtises là-dessus, est une extension de la formation initiale qui dépend peut-être pas, enfin qui dépend de l'enseignement supérieur et qui, si, dès lors que tu utilises, encore une fois, mais je pense voir ce que tu, enfin, comme tu le donnes en exemple, tu utilises une image dans un devoir d'école, tu dois demander l'autorisation pour exploiter cette image-là. Cette image-là a été créée par un artiste.
Sans doute que cet artiste-là est rémunéré par l'école, enfin, ou par le support qui utilise cette chose-là. En revanche, il ne t'a pas donné la possibilité de réutiliser ça. Alors, vous pouvez nous laisser votre lien de profil LinkedIn. Alors, je ne sais pas, Jérôme, ou pas. Enfin, Si je suis là, je t'entends, hein, bien sûr. Ouais, alors j'ai pas là le lien, mais peut-être. Enfin, je sais pas comment tu fais d'habitude. Je vais le rechercher là et je le poste. Oui, bien sûr. Tu prends le lien et tu peux le poster. Il n'y a pas de problème. Ok. Oui, donc oui, vous allez l'avoir. Alors, hop. Ah ouais, mais comme c'est moi, comment je fais pour l'avoir? Je ne sais pas. Hop, voir le profil. Ou peut-être tu peux le poster, Jérôme, ou pas? Enfin, parce que moi, du coup, je vois ma partie perso. Oui, bien sûr, je te poste ça tout de suite. C'est gentil en tout cas. Voilà, donc vous allez l'avoir, vous allez l'avoir. Ben, merci à vous. Est-ce qu'une formation en cours sur le RGPD peut remplir les 35 heures de formation minimum pour la certif? Bien entendu. Merci Jules de poser cette question-là. Oui. Alors, suivant les organismes de certification, ils exigent malgré tout 2 ans d'expérience ou 5 ans d'expérience dans l'entreprise et ensuite, merci Jérôme, demande 5 ans d'expérience dans l'entreprise et 2 ans en protection des données. Alors, c'est le cas par exemple de PECB qui normalement n'inscrit pas les gens à la formation, mais bien sûr, cette formation de 35 heures qui peut être dispensée par les organismes de formation, dont nous faisons partie aussi, et d'autres, constitue, oui, ce devoir de formation du délégué à la protection des données, même si, à mon sens, ce n'est pas suffisant, puisqu'il faut pratiquer comme n'importe quoi. Clairement, dans toutes les certifications que je vous ai données en début de webinaire, j'en ai déjà connu des gens qui avaient énormément de certifs et qui, sur le terrain, n'étaient pas capables de faire quoi que ce soit. Vous, en étant certifié, en ayant les 35 heures de formation minimum, vous cochez juste une case des exigences. Mais ça ne renvoie pas forcément à être capable d'eux. Mais bien sûr que c'est grâce à ça, grâce à ces formations de 35 heures, vous cochez la case de j'ai la formation théorique pour mettre en place le RGPD. Voilà. Une autre question peut-être, non? Ah, légalement, doit-on avoir le consentement des employés pour la mise en place de surveillance de flux web avec déchiffrement du trafic SSL HTTPS ou simplement on informe les utilisateurs dans la charte informatique ou autre suffit? Oui, ça vous protège la charte informatique dès lors qu'elle est signée, dès lors qu'elle fait foi dans votre entreprise et qu'en tout cas elle est le document, je vais encore rebasculer sur du 27001, mais si elle est le document le plus constituant le plus de restrictions dans votre entreprise, si elle est signée, contresignée par la direction et par l'employé, alors oui, si c'est indiqué dans cette charte informatique, c'est légal et vous avez le droit, puisque justement vous avez, alors ça me permet de rebondir là-dessus, vous avez une obligation justement de vous protéger de ce qui est fait par les employés. Donc oui, vous avez le droit de mettre en place ça. Eh bien, merci Ruiz, merci, bon après-midi aussi à toi. Je sais pas, Jérôme, dis-moi si on attend encore si d'autres questions ou pas. Ah, lors d'une rencontre de la chambre. Je pense que c'est bon, hein, on va y aller, on a dépassé du coup le temps. Ouais, on est plutôt dans le temps. Juste, je réponds à cette dernière question peut-être. Lors d'une refonte de la charte informatique, faut-il faire resigner cette dernière par tous les employés? Oui, bien entendu, puisque sinon, tu ne pourrais pas légalement le faire valoir comme acté, et de toute façon, ce ne serait pas conforme au 27001. Donc, pour moi, ça ne vaudrait rien. Voilà. Donc, je te laisse terminer, Jérôme. Enfin, en tout cas... Oui. Conclure. Très bien. Ben, merci à tous en tout cas de mon côté. Merci pour cette expérience, Jérôme, en tout cas. Longue vie à l'ESD Cybersécurité Academy. Merci pour tous ceux qui étaient là. Et puis ben, je laisse Jérôme conclure sur cette partie-là. Alors. Bon, ben, très bien. Ben, merci à tous pour ce webinaire. Désolé pour les problèmes techniques. Hein. Moi, je n'ai pas pu animer jusqu'à la fin, mais Julien a super assuré.
Donc n'oubliez pas que vous pouvez nous trouver notre cours juridique et cybersécurité et nous suivre également. Vous aurez les supports sur notre chaîne YouTube et on vous les enverra également par email. Ouais. Merci à tous et une très bonne merci encore Julien. Très très bonne semaine à tous. Enfin week-end. Ouais, peut-être, au revoir. Peut-être dire que le 19 juin, c'est ça? La prochaine formation. Enfin, je sais pas. C'est ça, c'est toujours intégrer le DevSecOps. Ah oui, prochain webinaire DevSecOps, c'est grosse surprise avec un SOC, un sur le SOC et qui n'est pas là d'ailleurs, mais suivez-nous hein, sur les réseaux sociaux, vous allez voir, on a un webinaire sur le SOC et l'investigation numérique Windows avec deux invités de marque. Donc, je vous conseille de nous suivre. Eh ben, c'est super, c'est super. Eh ben, une bonne, bonne semaine et bon week-end et bon courage. Bon week-end à tous. Au revoir.